folks look to the past. Other folks try to find themselves in the bottom of a whiskey glass. Some folks go to college. Other folks travel the globe. Ouh, c'est magique, hein? C'est superbe. Qu'est-ce que tu veux d'autre? On vient d'arriver en fait en haut de Signal Hill. Ce qu'on voit devant nous là, c'est l'océan Atlantique. C'est magnifique, il y a une superbe baie. Et en face de nous là, on a Table Mountain. Donc c'est vraiment une merveille de la nature. On est dans un parc naturel ici, en plein cœur de la ville de Cape Town. J'ai plus qu'une envie, c'est de prendre la moto et d'aller en savoir un petit peu plus sur le type de route et le type de paysage qu'on va rencontrer au cours de notre repérage. Il y a différents spots sur lesquels il faudrait qu'on essaye de passer et que ça nous permette de dessiner l'itinéraire final. Donc bon, c'est quoi un peu les régions qu'il faut qu'on essaye de voir? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer la côte. On va partir plein est et puis on va jouer dans ces chaînes montagneuses. C'est là qu'on trouve les plus belles pistes d'Afrique du Sud, des canyons, des cols fameux. Là, on vient faire un repérage. Donc, ça fait maintenant ça fait plus de 10 ans qu'on organise des voyages en Royal Enfield en Asie. Ben, on est curieux de cette nouvelle destination qui a l'air assez prometteuse. On nous a dit qu'il y avait à la fois des grands espaces, et ça, c'est quelque chose qu'on cherche typiquement sur nos voyages aventures, de la petite route et surtout des belles pistes accessibles et roulantes qui nous permettraient d'organiser une belle aventure en Afrique du Sud. Ouais, franchement, je sais pas vous, les gars, mais j'ai hâte de prendre la route. Là. Je suis impatient. C'est parti pour l'aventure. Route de dingue. Là, on roule sur Chapman's Peak Drive. Super manière de démarrer un road trip. C'est peut-être une des plus belles routes du monde. Exceptionnel. T'as déjà vu un panneau comme ça en même temps, Alex? Ouais, c'est le même, non, mais bon. Donc t'en as jamais vu? on verra, je suis confiant. Là, on est à l'entrée de Diel, c'est une gorge hyper encaissée et dont la route est vraiment très accidentée. C'est aussi ce qu'on cherche quand on veut pas faire que de ça, mais là, on a quand même vachement hâte de voir un peu ce que cette piste nous réserve. Si ce panneau est à cet endroit-là, c'est parce qu'il n'y a pas de réception. Les téléphones passent pas, c'est une vallée, c'est un cul-de-sac. Donc tu peux pas t'attendre, si tu as la moindre galère, à avoir quelqu'un qui arrive pour te sortir d'affaires. Donc si tu le veux bien, on va immortaliser le moment et poser notre logo ici. Tac. Si on nous revoit pas, ce sera un indice de notre passage. Mais bon, on a bon espoir de revenir quand même. Donc on y va? De prendre les chemins de traverse, de sortir des grandes routes, de se fondre dans le décor, dans l'envers du décor.
J'avais toujours rêvé de voir ces animaux qui nourrissent ton imaginaire quand t'es gamin. C'est la faune africaine dans toute sa splendeur. Ça, c'est l'Afrique. I'm Kensington, welcome to Peregrine Safari. Yes, nice to meet you. All right. We're going to take you to show you the big five. Uh-huh. Cool. Yes. Do you know what is the big five? Meaning of big five? The lion. Okay, lion, the rhino. The leopard. Leopard. Elephant. Elephant. And buffalo. And the buffalo. So it's not dangerous for us to go with our bikes close to the rhinos, for instance? Yeah, it will be dangerous, but we need to measure the distance. Yeah. As we are approaching every animal, there is also a bit of risk as well, because you have to expect anything can happen in the wildlife. On est super privilégié, on est au milieu d'une nature exceptionnelle, on a une barrière rocheuse en toile de fond qui est pas loin de valoir ce qu'on peut voir en Himalaya. Ça sent un peu l'aventure, le danger. Donc là on se sent tout nu face à maman nature, c'est assez cool comme sentiment. C'est un plaisir de ramener cette Royal Enfield avec nous dans cette game réserve. En fait, du matin au soir, c'est notre compagnon de voyage. Passer le long de réserves privées ou avoir la chance de rentrer en moto sur des game réserves, c'est une super activité et ça fait plaisir de côtoyer ces grosses bêtes de très très près. Ah, ces zèbres, ils sont magnifiques, ouais. Why do zebras have got stripes? Good question. Yeah, they use them as a camouflage. Because like a group of zebra, we call it a dazzle. What they do when they see a lion comes to attack them, they form a way of dazzling, crisscrossing the colors, so that a lion won't pick as a single zebra, but it will be like one huge animal. Okay. Yes. Before going, you don't want to try the motorcycle? Yeah, I would like to try. Yeah, I would like to try a little okay, bit, come but come. This is my first time to try the bike. Yes. Génial. Ah, il a un style. Il est magnifique. Des raccords là, le paysage, la tenue, la moto, c'est magnifique. I like it. Yeah, I like to, from now on, I like to ride the bike. Yeah, I've never been. Yes. Don't worry, we come back. All right, okay, great. Wanna be in the quiet zone. Wanna see what I can do, what I'd be if you had to go. Maybe it would be just fine. Ring the bell and the bell would chime. I could fly somewhere, but I don't know what I'd be if you had to go. C'est carrément l'aventure. On est fatigué. Ça fait à peu près une heure là, on roule de nuit. On va essayer de trouver un terrain assez plat pour poser la tente. En tout cas, la journée a été top. La journée a été top. Ça va nous aider à encaisser la fatigue. On l'a fait.
Après une journée comme ça, il en faut pas beaucoup. Hein. Ouais. Là, je vais te dire, ça va faire du bien. L'aventure, c'est aussi les surprises. S'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'aventure. Et donc forcément, ça fait partie du jeu. Et voilà, je pense qu'on est tous dans cet état d'esprit. On est content d'être là et on en profite. On va pas passer la meilleure nuit du séjour, c'est clair. Par contre, il y a une bonne énergie. On est content d'être ensemble. On discute. Ouais, les girafes, demain matin, on le va du soleil et on repart. Hein. Si ça se trouve, on aura une bonne surprise avec le paysage. Gracias, señor. De nada. Cette moto, ouais, nous permet de vivre des aventures qu'on ne vivrait pas autrement. Et ce qui compte aussi aujourd'hui pour nous, c'est de se dire que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pour pouvoir le faire partager demain avec d'autres riders. Ça, c'est génial. Elle est trop bonne, cette saucisse. J'en reviens pas. Épatant, époustouflant. C'est magique. Bon alors, c'est quoi ce spot là, les gars? Ronnie Sex Shop. Excellent. Hello Ronnie. Hi there, how are I'm you? Alex. Are you good, Alex? Yeah, good. Hi Ronnie, Flo. This is Florian nice and François. And you? Hello Ronnie. Hi. Nice to meet you. Hi. Hello. And Ronnie, what's the story of this place? I mean, we saw a sex shop on the entry, so we decided to come in. It's not a sex shop. I put Ronnie's shop on the wall of this building in 1989. About 2 or 3 years later, friends of mine put the sex on as a joke. Okay. I was very cross. I left it, stood empty for 7 years. People started stopping. I was told to do something. We decided to open a bar for a joke. And that went on for years, and then the Route 62 started 3 years later. So what's the story with the bra, actually? Ask the girls, I've got no idea. They like sheep. The one takes it off, they all take it off. Of Ronnie in the area. Naughty. He's very naughty. Ronnie, c'est une vraie gueule, quoi. Puis c'est rigolo son histoire, quoi. Il avait laissé ça à l'abandon, un pote qui vient, qui écrit sexe à côté de Ronnie Shop, et puis tout d'un coup, ça devient une étape. Donc sans doute qu'on va s'arrêter ici, mais c'est pas encore sûr, on va voir. Il y a pas mal d'éléments à prendre en considération, il faut qu'on aille au bout du repérage, et à la fin, on va rentrer au bureau, on va réfléchir, on va en parler un petit peu à quelques riders, aux collègues, et puis on va finaliser l'itinéraire. It was really nice to meet you. Au revoir. Yeah, good au revoir. Au revoir, à la prochaine. Yeah.
Thanks for receiving us. Merci. Allez, c'est parti. Nous y voilà, la fameuse Ceres Valley. On avait beaucoup entendu parler des vins du Nouveau Monde. Bah là, je crois qu'on y est. On est littéralement encadré par des parois minérales. C'est assez extraordinaire. L'Afrique du Sud a une tradition de viticulture qui a plus de 3 siècles aujourd'hui. Les premiers, en fait, à avoir fait pousser et prospérer la vigne dans ce pays, c'est les Huguenots français. On débarquait ici à la fin du 17e. Cette visite dans les vignobles, c'est incontournable dans un voyage en Afrique du Sud. Donc on va essayer de trouver un petit producteur. Hello Edmond, I'm Alex. I'm Edmond, yeah. Welcome to Florian. Up in the States. Good. Thank you very much. Hope you enjoy your time here. First time you see those bikes? Well, of course, I see them many times in the movies. These are classic Second World War motorbikes. They're beautiful. They're a piece of history that's still working. Please, Edmund, show us your vineyard. Okay. Okay. So here we have some Pinot Noir grapes. Organic grapes are small type berries. They're very tasty. That's good. Very sweet. Very sweet. In South Africa, there's a great range of styles of wine from completely dry to full sweet and everything in between. Here you can get everything from a really world-class champagne to fantastic blends, equivalent of what you might find in Napa. South Africa makes a very good balance between quality and price. Thank you. 3 years in the barrel and then 1 year in the bottle. It's a little bit like watching a child growing up. When they're young, they just scream and want food and then have messy nappies. And then later on, they start becoming somebody that you want to take to dinner with. So yeah, wine is a little bit like that. Cheers, let's try this wine. Santé. Ouais, c'est impressionnant. Hein. C'est délicieux. Il y a un bon goût de fruits rouges là, effectivement, dans ce vin. Il est assez rond. This is Upland Organic Estate. Organic wine is unusual in South Africa. I wouldn't say it's rare, but we must be very, very low. Maybe 2% of South African wine would be organic. Là, on a l'impression d'être dans une antre là où le vin est concocté avec des techniques traditionnelles en partie. Donc c'est génial en tout cas de goûter du vin dans un contexte comme celui-ci, et puis encore plus dans un pays comme celui-là. Le vin français a peut-être du souci à se faire. What I think is most important is that each country should try to keep their own personal character, and we shouldn't always try to copy other people. Just make what you make and make it to the best as you can, and that will always have more honesty and more character than a mass-produced product. Thank you. Wow. It's great.
qaqambile uqale niqaqanjelwa liqhabuve emqolo gqirha niqale ngomgqibelo uqaqanjelwa liqhabuve emqolo laqolo uba maniqale kugqirha uze liqhabuve liqhabuve emqolo. Pour nous, c'était important de venir visiter un township parce que ça fait partie de la réalité en fait de l'Afrique du Sud. Et donc, c'est important de venir voir comment vivent les gens ici. C'est un pays multiple, 11 langues officielles, il y a énormément de communautés différentes. Hein. Les héritiers des Hollandais, les héritiers des Français, les héritiers des Anglais, déjà, ne sont pas les mêmes, sont différents. On se rend compte ici qu'il y a une communauté très forte. C'est un township où il y a principalement des gens de la tribu des Xhosa. C'est celle dont vient Nelson Mandela, qui était très active, notamment pour lutter contre l'apartheid au sein de l'ANC. Et on sent encore ce communautarisme qui est puissant. Il y a effectivement toute la beauté de la découverte, les paysages, mais il y a aussi cette histoire qui est intéressante et dure. Et c'est intéressant, en tout cas pour nous, de s'y confronter. Maintenant, ce qui est génial, c'est de voir que c'est un pays hyper accueillant, magnifique, et du coup, c'est sûr que ça en fait une super terre de voyage. Au bout de ces 10 jours de repérage, on est clairement tombé amoureux de ce pays. Il y a tous les ingrédients qu'on aime, qui font la beauté d'un trip moto. C'est des routes de dingue, c'est des paysages immenses, c'est la faune sauvage, c'est les rencontres, des gens à gros caractère. C'est la fin du voyage, mais bon, c'est aussi le début d'une nouvelle aventure pour nous, puisque maintenant on va proposer ce nouveau voyage à nos riders. Donc on espère que ça va leur plaire autant qu'à nous, mais on n'a pas trop de doutes. Je pense qu'on en attendait beaucoup, mais là, ça a vraiment dépassé nos espérances. C'est sensationnel.